Salut tous, c'est Lino, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on va tout simplement aller chercher le véhicule de police le plus rare de GTA 5. Et oui, c'est bien le véhicule de police le plus rare de GTA 5. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, à mettre un petit like. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier où je présente ma maison à la salle, n'hésitez pas à aller voir également. Sinon on est tous les soirs en live à 21h sur GTA 5 RP, d'ailleurs ce soir il y en a un. Le serveur recrute également si vous voulez nous rejoindre. En tout cas c'est parti, on va aller voler le véhicule le plus rare de GTA 5. Let's go. Ok du coup les gars, c'est parti. Je suis actuellement avec Franklin, toujours avec ma petite tenue comme d'habitude les gars. À chaque fois on vole des véhicules, on avait volé Iron Man, d'ailleurs il y a le prochain épisode du super héros. Vous avez été nombreux à choisir un super héros, donc je vais pas vous dire qui, mais la prochaine fois vous allez voir ça va être pas mal. Je prends la moto parce que j'aime bien la moto. Et tout simplement, alors le problème du véhicule les gars, c'est qu'il est ici. Et vous savez ici c'est quoi les gars? Eh bien oui, c'est la prison. C'est la prison. Alors on va y aller, c'est parti. Ok les gars, je suis actuellement près de la prison. Wow, j'ai failli me faire shooter. Je suis actuellement à la prison. Et le problème de la prison, c'est que c'est hyper méga sécurisé. Et si on rentre dedans, on se prend directement 4 étoiles. Donc sachez-le que c'est assez compliqué quand même. Bon, déjà on va voir si on passe cette première douane. Ah, j'ai peut-être une petite idée les gars. J'ai peut-être une petite idée. Ok, donc ça on passe, c'est bon. C'est nickel. Alors, ok, c'est bon, je vois la voiture les gars, vous l'avez vu. Alors, je vais pas prendre mon sniper ou quoi. Alors la voiture elle est toute là-bas, je vais prendre mon téléphone, tiens pour vous montrer. La voiture elle est là-bas les gars. Oh ouais. A votre avis, qu'est-ce que c'est comme marque de voiture les gars? Qu'est-ce que c'est? C'est une Lamborghini, une Ferrari, qu'est-ce que c'est? Devinez la marque dans les commentaires. Ah ouais, ouais, ouais. Déjà c'est un véhicule de police bleu, c'est bizarre. Alors je sais pas si on peut le custom, on peut le mettre en une autre couleur. En tout cas, alors, voyons niveau sécurité comment ça se passe. Alors déjà, on a pas mal de gardes un peu partout. On a... Ah ouais, regardez là-bas. Là, vous avez le flic, là, qui tourne autour. On a des tours de garde. Bon. J'ai peut-être une petite idée. Je sais pas si ça va passer, mais comment on va pouvoir intégrer cette prison. Je vais un peu m'inspirer du braquage qu'on a déjà fait sur GTA 5, le braquage du coup où on va chercher prisonnier de GTA 5. Ok. Je vais tout simplement voler une tenue de prisonnier les gars. Ok. Ok, par derrière, doucement. Il n'y a personne autour. Pff, les gars, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Sa tenue. Ok les gars, du coup c'est parti, je suis transformé en gardien de police, en security guard, et là je peux vous dire que ça va être vraiment pas mal. Je suis un mec de la sécurité, je vais tout simplement essayer de rentrer dans la prison de GTA 5. On a la petite moto de police également ici. C'est plutôt pas mal, je sais pas si mon plan va fonctionner. Je m'attends vraiment pas à un truc qui peut marcher. Honnêtement. Je sais pas. On va essayer. Alors, le problème, c'est que je sais même pas si vous vouloir m'ouvrir la porte déjà. Ok, les gars, c'est parti. Ok, la porte vient de s'ouvrir, mais il y a l'alarme qui s'est activée. Me dites pas que c'est pour moi. Je crois que c'est pour moi, les gars. C'est parti, let's go. On y va voler le véhicule le plus rare de GTA 5. Oh là 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 là, c'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture? What? What? Pourquoi le véhicule il saute? C'est quoi cette voiture de fou, les gars? C'est quoi cette voiture de fou magnifique? Je crois que c'est une Mustang, Ford Mustang les gars. Allez vite vite vite, ouvrez-moi la porte. C'est parti. Et on a bien évidemment 4 étoiles les gars. Oh là 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 là, j'ai réussi à esquiver les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud, il faut absolument que j'échappe à la police les gars pour voler ce magnifique véhicule. En tout cas le véhicule est incroyable, il n'y a rien à dire. Alors peut-être qu'avec la vitesse je vais réussir à l'esmer. Le problème c'est qu'avec 4 étoiles ça va être compliqué. J'active les gyros les gars. Les gars, je suis votre pote les gars. Non, je suis votre pote. Laissez-moi tranquille, je suis avec vous les gars. Mais qu'est-ce qu'ils ont les shérifs? Les gars, je suis avec vous, vous voyez pas, c'est moi le boss en fait. Ouais, il y a 2 hélicos sur moi et tout. Laisse tomber, c'est quoi de ça? Il y a 2 hélicos de police sur moi. Bon, les gars, on a toujours les flics sur les côtes. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais j'ai hâte de pouvoir custom cette voiture les gars, je vous dis direct hein.
J'ai hâte de pouvoir custom. J'ai toujours les flics derrière moi, mais là, mon voiture, elle est en train de se faire des gommes dans tous les sens. C'est abusé. Va falloir vite que j'aille un custom. Le problème, c'est l'hélico, quoi. Waouh, ouais, l'hélico, il est chaud. Ils sont trop chauds, les gars. Mais vous, comment vous voulez que je les somme, là? Ils sont dégomme ma voiture. Ils ont littéralement dégomme ma voiture. C'est abusé. What is this shit, comme ils ont dégommé la voiture. Bon, après, ça va. On peut aller réparer ça tranquillement. Mais là, le problème, c'est comment semer 4 étoiles avec une Mustang ultra méga giga rare. Franchement, mon seul moyen, là... Ok, ne me suivez pas, s'il vous plaît. Oh, les gars, c'est bon. Ils m'ont pas suivi. Oh, les gars, je vais les semer. Ok. Ok, c'est bon, les gars. On a semé la police, enfin. Enfin. Non, ne dis pas que c'est pour moi. Non, c'est bon, c'est pas pour moi. Ok, j'ai cru que c'était pour moi, mais c'est moi, c'est pas pour moi, les gars. J'ai eu vraiment très très peur. On va aller pouvoir custom le véhicule le plus rare de police de GTA 5, les gars. Et croyez-moi que je vais lui mettre une custom vraiment pas mal. Déjà, on va le réparer. Pour commencer, ce sera déjà vraiment pas mal. Il est incroyable. Il est trop beau. Vraiment trop trop beau. Ok, c'est parti. En même temps, on a également enlevé l'équipement. Oh là là, Ford. Déjà Ford. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Bah, il se passe pas mal de choses. Déjà, on va le réparer. Oh, ouais. Déjà, juste là. Juste là, c'est incroyable. N'hésitez pas à mettre un petit like, les gars. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche également. Waouh. Alors, c'est parti. Blindage à fond. Frein à fond. Pare-choc. Ah, ouais, mais c'est trop là. Est-ce qu'on peut lui mettre? Ok, ça, je mets. Pare-choc arrière des séries. On a quoi? Ah, ouais, ça, c'est magnifique. Non, mais c'est trop ce qu'on peut mettre dessus là. Ensuite, on a quoi ici? Ouais, ça en met. Moteur, bah, 4 forcément. Échappement. On a cela. Et les doubles. On va mettre les doubles. Capot. Ah. Waouh, ouais. Bah, écoutez, je vais mettre. Je vais mettre ça en capot. Je pense qu'on est pas mal. Ok, là, on est bien. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, on va mettre. Ok. Avec un petit truc jaune, voilà, ça c'est pas mal. L'intérieur, par contre, il a l'air pas mal. Hein. Je vais le montrer après, les gars. Alors, peinture, on va mettre or pur. Oh là 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 là. Couleur secondaire, c'est quoi ça, couleur secondaire? Ah, c'est ça. Franchement, je vois pas en quoi il pourrait passer bien. En blanc. Je pense qu'en blanc, c'est pas mal. Ouais. Ah, ça change aussi les roues. Non. Je vais partir sur du jaune racing, je pense. Ouais. Jaune racing, on est bien. Là, là, mon véhicule, il a la gueule, les gars. Là, ça, c'est un véhicule de police, je vous le dis, les gars. Ça, c'est un putain de véhicule de police. Alors, on a ça aussi. On va mettre celui-là avec le truc GT derrière. C'est pas mal. Suspension de compétition, transmission de course, turbo. On met les roues. Bon, on change pas les roues. Peut-être à la limite, on peut mettre ça, preuve des balles, et on peut mettre du jaune. Ensuite, les vitres. On met des vitres de limousine, forcément. C'est trop. Oh là 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 là, mais regardez-moi ce véhicule qui est tout simplement incroyable. Le véhicule de police le plus rare de GTA V. C'est bien lui. C'est lui, Mustang. Ah oui, il y a écrit boss sur le côté et tout. Magnifique. Magnifique. Alors, je vais tester la vitesse. Écoutez le bruit. C'est trop. Alors, par contre, en termes de vitesse, franchement, il est pas mal. Il a une bonne tenue de route. En tout cas, les gars, je sais pas ce que vous pensez de cette voiture de police ultra méga rare. Mais moi, je suis totalement en surkiff total. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Regardez-moi cet intérieur. On a les trucs de police en haut. Regardez là, on a le, ouais, l'interphone de police. On a également l'intérieur, bah, le volant avec le gros truc Ford Mustang. C'est une Mustang GT, hein, au passage, pour ceux qui se demandent c'est quoi comme voiture. C'est une Mustang GT. Et honnêtement, moi, je suis policier, je kifferais trop avoir ça.
Moi personnellement, je suis policier tous les jours. Hein. Enfin, je veux dire, t'as ça dans la vraie vie. T'es policier tous les jours, hein, tu kiffes. Hein. Déjà à Dubaï, ils ont des putains de voitures. En France, faudrait qu'ils mettent des Ford Mustang. Je crois qu'en plus, ils ont des Ford. Mais mettez-nous des Mustang. Oh là là, c'est trop. Elle va vite en plus. Hein. Elle va ultra vite. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, le véhicule de police le plus rare de GTA 5 qui est tout simplement magnifique. Il est trop beau. J'ai rien à dire. Il est magnifique. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche. Sur ce, on s'assied là-dessus. Je rappelle qu'on en live tous les soirs à 21h sur GTA 5 RP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre pour jouer avec nous sur PlayStation 5 ou sur PS4. Et sur ce, on s'assied là-dessus. Ciao, ciao.